Bonjour à tous, ici Anthony. Aujourd'hui, je vous présente le Contest LED Gun. Un super produit qui fait des multifaisceaux. C'est vraiment super beau. Dedans, il y a 3 LED RGB en 10 watts en cri. Ce modèle vient de chez Contest. Et possibilité de le contrôler en DMX ou en maître esclave ou en musical. Le devant est composé de 1, 2, 3, 4, 5 miroirs, pas 5 vides plutôt, d'un gros dissipateur au milieu. Sur le côté, rien à part le LED gun avec la vis pour la lire d'accroche. Derrière, nous avons le dip qui permet de sélectionner les modes qu'on veut faire, donc le manuel mode, on peut changer la direction, on peut faire une espèce de light show avec plusieurs LED gun reliés ensemble via XLR. Il y a un mode aussi, on peut inverser les LED gun, je veux dire par là on peut inverser la rotation et donc faire des choses super sympas. Nous avons à gauche un micro pour le mode musical. Une entrée de jack pour brancher un contrôleur Easy 2, donc c'est une espèce de télécommande que je ne possède pas. Entrée DMX et sortie DMX, donc on peut le contrôler en 3 canaux sur notre console. Et bien sûr, il consomme vraiment pas beaucoup, il consomme 12 watts. C'est un produit assez léger qu'on mettra facilement sur une structure. Pour mettre le LED gun en mode DMX, c'est très simple. Prenez un XLR pour le brancher. Et vous mettez à l'adresse que vous voulez. Quand la LED clignote, ça veut dire qu'il est en mode DMX. Donc là, je veux mettre en adresse 1, donc je baisse le dip 1. J'ai relié mon LED gun à la console DMX. Donc, je l'ai mis sur l'adresse 1 de ma console. Donc le premier canal est en fait un dimmer qui, si on continue plus loin, devient strobe et à la fin revient normal. Donc en fait, à certaines parties, ça strobe. Généralement, entre ici et ici. Donc ça, c'est le dimmer. Voilà. Après, en deuxième canot, nous avons les couleurs prédéfinies par l'appareil. Et en troisième canot, et le dernier, on gère la rotation. Donc il y a différentes vitesses. Si on va plus loin, ça change de sens. Pas dans la moitié, c'est pas le même sens. Donc voilà, plus on monte, plus ça va vite dans ce sens-là. Pour mettre le LED gun au mode musical, il suffit de débrancher le DMX et mettre le dip à 1. Si vous souhaitez relier deux LED guns, il est très simple. Donc pour les mettre en mode maître esclave, vous prenez un XLR, vous mettez dans le input du deuxième, vous prenez l'autre côté et vous mettez dans le output. Pour plus d'effets, je vous conseille de mettre sur le deuxième le dip 10 en bas, en mode option, et ça fera des super effets.
Le projecteur de chez Contest Light Gun est vraiment sympa. Franchement, je vous le recommande. Surtout d'en acheter un deuxième et de le mettre en mode maître-esclave. Ça suffira largement pour vos petites et moyennes soirées en intérieur, bien sûr. Et bien sûr, il faut obligatoirement une machine à fumer avec. Sinon, les faisceaux ne servent strictement à rien sans fumer. Donc, je vous la recommande. Merci.